First, I would like to congratulate all the breeders and exhibitors of these fine animals. We had a great show last night and today, and I'm sure we're going to have a nice afternoon. I bring in the center of the ring the six finalists, six efforts that I feel to me were the most dominant in the show last night and today. I hope you can find a pattern. I like them dairy. I like them to be able to walk on a great set of fitted legs, and I like them hard top. So I guess these six animals represents what I like. So I'm now going to go out, select the junior champion, reserve junior champion, and honorable mention. Please, after this is being done, celebrate them with a nice round of applause. Je vais maintenant sélectionner la championne junior de réserve et la mention honorable. J'espère que vous allez pouvoir apprécier la qualité de ces animaux par une bonne main d'applaudissement une fois que la sélection sera faite. Pour les championnats juniors, j'ai choisi la première, un intermédiaire. C'est un peu exceptionnel d'avoir une jeunesse à ce stade, à cet âge-là, laitière, féminine comme elle est. J'ai préféré la façon qu'elle se tient sur les membres arrière, surtout dans la rangée, et la patte gauche arrière à la jeunesse exceptionnelle qui a remporté la classe de 1 an été. Pour le championnat junior de réserve, une mention honorable, ben, c'est un peu les raisons de la classe. C'est la définition de l'avant-train, la solidité de l'avant-train, la puissance et aussi la façon qu'elle porte son port de tête. J'ai préféré la première 1 an été à la deuxième 1 an été. Pour junior champion, it's an exceptional effort that won the intermediate yearling class. It's something very special to see an effort at this stage of pregnancy, this age, being so feminine and so daring. I prefer her over the winnings of her yearling, mainly on the way she stands on her hind leg, especially on the left hind leg when she's in line. The reserve junior champion, first summer yearling over the second summer yearling, mainly on the way she carries her head and the way her neck comes out of her shoulder. And she's also a heifer that shows a little more development than the heifer that is an honorable mention. Congratulations.